Que le Seigneur puisse venir au travers de la proclamation de sa parole et que aucun ni aucune d'entre vous ne se trouve privé de sa grâce divine et si précieuse. Je pourrais commencer et je vais commencer la prédication de ce jour en prononçant quatre mots. L'été sera chaud. Non seulement la température extérieur depuis quelques jours en France affole les compteurs, casse les thermomètres, mais l'été sera également chaud parce que c'est un été qui est avant tout un été rempli de compétitions sportives. La finale de l'Europa League, la finale de la Champions League, Roland Garros, l'Euro 2016 avec l'équipe de France qui joue actuellement et qui justement est menée et est en compétition. Le Tour de France qui va suivre, Wimbledon, les Jeux Olympiques, l'US Open. Autant de compétitions qui vont mettre à rude épreuve des sportifs qui parfois se sont préparés pendant des mois, pendant des années notamment pour les Jeux Olympiques, pendant même toute une vie pour décrocher le Graal. Et cette compétition pour gagner le prix, pour gagner la médaille d'or, pour remporter la coupe, ces hommes, ces femmes, ces athlètes, ces jeunes vont mettre tout le paquet et vont faire le maximum pour pouvoir accomplir le but de leur vie. Mais nous, le but de notre vie, nous qui avons été créés à l'image de Dieu et dont l'image a été détériorée par le péché, c'est de retrouver cette image à l'image de celui qui nous a recréé, l'image du Dieu vivant. Notre but, c'est de gagner le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et il est un proverbe qui dit que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et nous savons tous que dans la vie, on n'a rien sans rien. Et c'est pourquoi nous chantons régulièrement à de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Arme nos bras, arme nos cœurs et nous serons plus que vainqueurs. Oui, notre Dieu en Jésus-Christ nous appelle à un combat, à combattre le bon combat de la foi, le combat de la vie éternelle, de saisir la vie éternelle. Comme tous ces sportifs qui veulent s'emparer du précieux trophée, qui veulent laisser leur nom dans l'histoire de leur sport, dans l'histoire de leur club, dans l'histoire de leur famille. Nous voulons laisser notre nom dans le livre de vie. Et pour cela, nous allons faire tout, je dis bien tout pour y parvenir, et nous allons nous efforcer, en multipliant les efforts, en faisant preuve de violence, de rentrer dans le royaume des cieux. Car le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Et c'est cette violence spirituelle, cette violence positive, que nous allons exercer ce soir, au travers de la lecture d'un seul verset, comme d'habitude, mais précieux à notre cœur. Alors, mes bien-aimés dans le Christ Jésus, la lecture du jour aura lieu dans le premier épître de Timothée, au chapitre 4, verset 8. Voici ce qu'écrit l'apôtre Paul à son protégé Timothée.
exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Je relis encore une fois, sous la direction et l'onction de l'Esprit Saint. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture sainte pour l'édification commune de nos âmes. Ainsi, mes frères et sœurs dans le Christ Jésus, je voudrais tout d'abord vous présenter le contexte dans lequel cette sainte Écriture a été écrite. Tout d'abord, le premier épître de Timothée a été rédigé par l'apôtre Paul. Et au moment où l'apôtre Paul rédige cette épître, il est au crépuscule de sa vie. Son ministère va arriver à son terme. Et donc, il écrit cela alors que l'Église de Jésus-Christ fait l'objet d'intenses persécutions. Puisque au moment où l'apôtre Paul s'exprime, c'est Néron qui est le gouverneur de Rome. Et Néron était un mégalomane qui voulait reconstruire Rome à son image et laisser une trace dans l'histoire. Et pour ce faire, il avait besoin de tout raser, pour tout reconstruire. Et pour cela, il ne pouvait le faire de sa propre initiative sans créer le scandale, sans créer le tumulte, sans créer des manifestations comme on a pu en voir ici en France. Mais il fallait qu'il puisse trouver un bon prétexte, une bonne manœuvre, une bonne malice, une bonne manipulation. Et pour ce faire, quoi de mieux que comme bouc émissaire que les chrétiens? Car nous savons que la piété est utile à tout. Mais justement, comme nous l'avons vu ici même avec le frère Chéri, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors quoi de mieux comme bouc émissaire que les chrétiens? Les chrétiens qui étaient considérés comme étant des cannibales, parce que lorsqu'ils prennent la Sainte Cène, ils doivent manger le corps et boire le sang. Des chrétiens qui étaient considérés comme incestueux, puisqu'ils devaient se saluer comme par un saint baiser entre frères et sœurs. Et donc, en l'occurrence, Néron avait là un coupable idéal. Et Paul, dans cette circonstance, lui, sait que son ministère va bientôt se terminer, puisqu'il est la tête de gondole, la tête d'affiche des chrétiens. Et donc, en premier lieu, il fallait couper l'arbre à sa racine. Et quoi de mieux que la tête de l'Église, le leader de l'Église à ce moment-là, qui était l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul sait que son ministère va se terminer, mais il sait également une chose, c'est que quelle trace il va laisser dans l'œuvre de Christ. Non pas pour sa gloire, non pas pour sa renommée personnelle, mais en réalité pour que l'œuvre de Christ se prolonge. Car le grand mandat qui nous a été confié, c'est de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le grand témoignage qui nous est donné, c'est que nous recevons, nous dit Actes 1, verset 8, une puissance survenant sur nous, le Saint-Esprit. Et nous serons des témoins de Jésus à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc justement, Paul sait que son mandat va se terminer. Mais c'est très bien que le Dieu qui sert l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, n'a ni début ni fin et qu'il est hors du temps. Et donc, même si lui, sa course s'achève, il doit passer le relais à un autre pour que celui-ci puisse continuer la course et que l'équipe chrétienne puisse décrocher la médaille d'or et qu'il ait un maximum de champions. Et pour ce faire, eh bien, il sait également une chose qui doit nous interpeller. C'est que là où il n'y a pas de successeur, il n'y a pas de succès. Notre œuvre en tant que chrétien n'en sera que d'autant plus rayonnante que nous laisserons une œuvre derrière nous. Et la question que nous devons nous poser, c'est quelle ombre allons-nous laisser derrière nous? Qu'est-ce que nous allons laisser comme trace chrétienne? Et Paul le savait qu'il devait préparer un successeur et qu'il devait préparer un successeur pour être un pêcheur d'hommes. Et cela nous interpelle, pas simplement dans le ministère de la prédication, mais dans le ministère de la louange. Combien de disciples, combien de progénitures spirituelles aurons-nous engendrées dans la foi? Et justement, l'apôtre Paul définit Timothée comme étant son enfant dans la foi, comme étant son protégé, celui qu'il a engendré spirituellement. Et le nom de Timothée lui-même parle à soi seul. Souvent, les prénoms que nous donnons à nos enfants
eh bien, définissent en partie, je dis bien, leur destinée. Parce que avant que chacun des jours qu'ils vivent n'existe, ils avaient déjà été écrits par le Père Céleste. Et le nom de Timothée signifie honorer Dieu, craindre Dieu, du grec timao, craindre Dieu. Et Timothée avait cette caractéristique, c'est qu'il était spirituellement ou même biologiquement, frère chéri, un métis. Pourquoi dis-je cela? Parce qu'il avait un père grec et une mère juive. Donc il était à la fois pleinement imprégné de la culture grecque qui rayonnait à l'époque par sa science, par sa philosophie, mais également par la culture juive, d'où nous tirons notre foi chrétienne. Car n'oublions pas que l'apôtre Paul lui-même le dit, « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, et le salut vient des juifs. » Et donc, en ce sens-là, Timothée était le portrait idéal. Mais c'était un homme aussi qui avait, comme tout un chacun, ses imperfections, ses faiblesses. C'était un homme qui était profondément timide. Et c'était un homme qui était jeune. Et face à sa timidité, l'apôtre Paul lui dira dans le second épître à Timothée, en 2 Timothée 1, verset 7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, et je m'exprime là sur la version de la Bible second, mais un esprit de sagesse, de force et d'amour. Et en 1 Timothée 4, verset 11 et 12, il va lui dire que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en parole, en fidélité, en amour, en foi et en pureté. Et c'est cette conduite-là qui va amener Timothée à être, c'est la ligne de conduite que l'apôtre Paul va donner à Timothée. Parce qu'en fin de compte, le premier épître de Timothée, dans la mesure où Paul ne savait pas s'il allait pouvoir rejoindre Timothée dans l'immédiat, il va lui dire en 1 Timothée 3, verset 15, « Car je te dis ces choses pour que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, qui est, en fin de compte, le pilier et la colonne de la vérité. » Et donc, l'apôtre Paul va donner une ligne de conduite pour savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Pour savoir comment se conduire dans la maison de Dieu, sachant que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, et que tout doit se faire avec bienséance et ordre. Et donc, il va expliquer à Timothée comment doit être ordonné ce qui aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire à la charge de pasteur, comment doivent être consacrés ceux qui aspirent à la charge de diacre, comment il doit se conduire avec les jeunes, avec les seniors, que l'on appelait à l'époque les vieillards, comment tu dois se conduire, comment les veuves doivent se conduire. L'église du Dieu vivant, colonne, pilier de la vérité. Et donc, c'est cette conduite-là qu'il va lui demander d'adopter. Sachant que l'église visible, l'église du Christ, Jésus, l'assemblée terrestre, la maison de Dieu terrestre, aura toujours ses imperfections. Rares sont les églises où il n'y a pas de difficultés, où il n'y a pas de problèmes. Et au moment où Timothée exerce son ministère, en étant tout de même jeune, en n'étant pas forcément psychologiquement mature pour affronter cette situation, en se montrant peut-être spirituellement incapable d'accomplir la tâche que l'apôtre Paul, que le Saint-Esprit lui a donnée, pour laquelle il a reçu une imposition des mains, pour laquelle il a fait une confession de foi, eh bien, Timothée devait gérer l'église d'Éphèse. Et cette église était une église qui était particulièrement en difficulté parce que au moment où l'apôtre Paul va adresser sa salutation d'adieu aux anciens de l'église d'Éphèse en Actes chapitre 20, versets 28 à 30, il va leur dire « Prenez garde à vous-même et au troupeau sur lequel Dieu vous a établi évêque et qu'il a conçu en quelque sorte du sang de son fils Jésus-Christ. » Parce qu'il sait qu'après son départ, le Saint-Esprit lui a révélé qu'il y aura des loups cruels qui s'empareront du troupeau de Dieu. Effectivement, ces hommes-là sont des hommes charismatiques, des hommes qui ont de l'influence, des hommes qui ont du prestige, des hommes qui ont du pouvoir et qui vont déformer, qui sont difficiles à contrôler, qui vont déformer l'évangile du Dieu vivant pour amener certaines brebis fragiles, certaines brebis chétives à eux-mêmes. Et dans le moment où l'apôtre Paul rédige ce quatrième chapitre du premier épître à Timothée, il va dire que l'Esprit révèle expressément que dans les derniers temps, et en l'occurrence, c'est là que l'on voit le rôle actif joué par le Saint-Esprit. Parce que de la même manière qu'il avait dit qu'en Actes chapitre 20, verset 28 à 30, qu'il y aura des loups cruels, c'est ce que le Saint-Esprit lui a donné. Et il dira, lorsqu'il fera sa prière
au bénéfice de l'église d'Éphèse, en Éphésiens chapitre 1, verset 18, qu'ils prient pour que Dieu leur donne, illumine les yeux de leur cœur, qu'ils puissent voir la richesse de leur héritage et l'espérance qui s'attache à leur appel. Et là, l'apôtre Paul, illuminé par l'Esprit de Dieu, sachant que Jésus lui-même avait dit qu'il ne nous laissera pas seul, mais qu'il nous donnera un consolateur, le Saint-Esprit, qui nous conduira dans toute la vérité. Et donc, toute demi-vérité est un mensonge. Mais là, l'apôtre Paul, illuminé par l'Esprit de Dieu va lui montrer que dans les derniers temps, il y aura des enseignants apostats, comme dans le second épître de Pierre, au chapitre 2, comme en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, où des hommes vont dire que Jésus-Christ est déjà arrivé. Et bien là, on a une évangile déformée, où il nous est dit qu'il faut s'abstenir de se marier. Or, il n'en est rien, parce qu'on le voit en Genèse chapitre 2, il nous exprime très clairement que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux feront une seule et même chair. On le voit également en Éphésiens chapitre 5, où l'Église est décrite comme l'épouse du Christ, et on le voit au final dans les noces de l'agneau d'Apocalypse chapitre 19, où l'Église purifiée, l'Église sanctifiée, qui sera revêtue du fin lin, c'est-à-dire de l'œuvre des saints, va aller à la rencontre de l'agneau et participer aux noces de l'agneau. Et donc, en conséquence, ces hommes-là, dont la ruine est annoncée depuis longtemps, vont dire qu'il faut s'abstenir de se marier contre toute indication de l'évangile de Jésus-Christ. Et ils vont également dire qu'il faut s'abstenir de certaines viandes. Il va y avoir également, avec des veuves, des discussions sur les généalogies, des querelles sans fin. Or, il appartient à l'homme de Dieu, selon 2 Timothée 2, verset 24, d'être patient, de ne pas être un homme de querelle et d'être capable d'enseigner. Et notre épître pastorale, qui suit celui des deux épîtres de Timothée, nous dit très clairement que Paul dit à Tite, en Tite 1er, verset 6 à 9, qu'il y a certains menteurs dont il faut fermer la bouche. Et Paul va expliquer à Timothée que dans ce contexte explosif, dans ce contexte bouillant, dans ce contexte calamiteux, il lui appartient en tant que tel de se mettre à part. Comme un sportif qui veut gagner un combat doit se mettre à part, il doit se mettre au vert, il doit se mettre à huis clos et se concentrer sur le combat qu'il doit exercer, sur le combat qu'il doit gagner. Et mentalement, il doit se préparer à gagner. Parce que parfois, le combat ne se perd pas sur le ring de boxe, il ne se perd pas sur le terrain, il ne se perd pas non plus sur le court de tennis, mais il se perd sur la manière dont on l'a préparé. Je peux donner un exemple très concret. Regardez, les amateurs de football le savent très bien. Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, a décidé de se séparer de Laurent Blanc. Qu'est-ce qui a été le noyau qui lui a fait prendre cette décision? C'est le match contre Manchester City, au match retour à City en Angleterre. Et il dira qu'il a senti que les joueurs dans la préparation n'étaient pas en quelque sorte disposés, préparés à gagner, qu'ils savaient qu'ils allaient perdre. Alors qu'il a dit qu'à l'inverse, lors du match contre Chelsea, lorsque les joueurs s'étaient préparés à aller en Angleterre, ils étaient dans un mental pour gagner. Et donc cette préparation-là, Timothée doit l'avoir. Timothée doit s'exercer à la piété, se mettre à part, ne pas se mélanger avec d'autres qui vont le déconcentrer en lui donnant un certain nombre de paroles déconcertantes comme les querelles sans fin sur les généalogies, comme le fait qu'il ne faut pas manger de viande. Quelle viande faut-il manger? Quelle viande ne faut-il pas manger? Est-ce qu'il doit se marier ou pas? Dès lors qu'il y a un doute, et j'avais l'occasion de le dire ici même, sur la prédication, sur le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, le doute vient de Satan. Lorsque Satan veut poser des questions, interpelle notre esprit, cela ne vient pas de Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu de lumière. Ce n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. Et dès lors que Timothée est appelé à être un soldat et à combattre le bon combat de la foi, à saisir la vie éternelle à laquelle il est appelé, selon 1 Timothée 6, verset 12, il doit se mettre en condition pour pouvoir gagner le combat. Il doit se mettre en condition et il doit faire un échauffement parfait pour que lorsqu'il va rentrer sur le terrain, il soit disposé pour gagner. Et en fin de compte, cet échauffement, il suppose un exercice particulier. Et l'apôtre Paul nous dit très clairement que nous devons nous exercer non pas à l'exercice corporel, mais à la piété. Mais il nous dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Alors, on pourrait penser qu'il s'agit là d'un mépris du corps. Il ne faut pas qu'il y ait de contresens.
Parce que souvent, nous entendons dans nos églises beaucoup de chrétiens qui font souvent n'importe quoi avec leur corps. Nous expliquer que Dieu ne regarde pas au corps, mais il regarde au cœur. Et souvent, ils prennent de façon déformée ce que nous disait en 1 Samuel 16, verset 7, le verset selon lequel Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil, mais il regarde au cœur. Eh bien, pour nous dire que Dieu ne regarde pas du tout au corps, et certains même, en Colossiens 2, verset 23, appellent au mépris du corps. Et pourtant, il n'en est rien, parce que Dieu accorde autant de considération, autant d'importance à notre cœur qu'il veut pur, vrai et consacré qu'à notre corps. Pourquoi? Parce que certains préconisent le mépris du corps, Colossiens 2, verset 23, que vous citez à l'instant, mais Dieu nous dit tout d'abord qu'en 1 Corinthiens 6, verset 18, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous n'appartenez point à vous-même? Donc notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est en fin de compte l'instrument au travers duquel nous donnons à notre Dieu un sacrifice, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Romains chapitre 12, verset 1er. Donc Dieu ne veut pas mépriser le corps, parce qu'au travers de ce corps, nous l'adorons. Au travers de ce corps, nous le révérons. Au travers de ce corps, nous l'exaltons. Au travers de ce corps, il exerce sa demeure en nous. Notre corps est sa propriété bénie et lui appartient pour jamais. Mais, dans le même temps, Paul nous explique que notre corps, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Pourquoi dis-je cela? Parce qu'il nous est expliqué, il y a un proverbe qui est clair, qui nous dit « Un esprit saint, S-A-I-N, pas sainteté, mais sans être bien conservé dans un corps saint. » C'est vrai, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, pour que nous soyons guéris de nos maladies. Jésus est venu pour enseigner, prêcher et guérir. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et son sang, lorsque nous communions ensemble pour la Sainte Cène, est vraiment un breuvage. Un breuvage, c'est fait pour quoi? C'est fait pour guérir les maladies, pour guérir les tourments, pour guérir tout ce qui est infect en nous. Pour que notre corps soit saint, S-A-I-N, sachant qu'il ne maîtrise pas notre corps. Et que son souhait est le même que celui que son serviteur, son ami, l'apôtre Jean, avait exprimé à Gaius. C'est que nous soyons en bonne santé et que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Mais, vous savez, notre vie est faite de cycles. Elle est faite de hauts et de bas. Nous pouvons être un jour en bonne santé et le lendemain malade. Il y a des hauts et des bas. Et le problème de ces hauts et de ces bas, c'est que notre fin, tant que Jésus-Christ n'est pas revenu, si Jésus revient avant que nous expirions, avant notre mort, alors oui, nous ne connaîtrons pas la mort et nous serons enlevés comme Enoch l'a été avec notre corps. Mais, quoi qu'il advienne, notre corps est appelé à être détruit. Pourquoi? Parce que à cause du péché d'Adam, notre corps, nous sommes poussière. Et nous sommes appelés à retourner à la poussière en Genèse chapitre 3. Et même Moïse disait cela dans sa grande sagesse. L'ami de Dieu Moïse, celui qui avait demandé à Dieu en Exode 32, en Exode 33, de lui faire voir sa gloire, Moïse dira dans son psaume 90, verset 10, nous arrivons à 70 ans, et pour les plus robustes, jusqu'à 80 ans. C'est-à-dire que quoi qu'il advienne, ce corps, nous serons amenés à le remettre, nous serons amenés à expirer dans ce corps. Donc, l'exercice corporel est utile, en ce sens qu'il nous permet de nous maintenir en bonne santé. Nous connaissons tous cette fameuse publicité, ce site internet, mangerbouger.fr, qui nous permet de nous maintenir en bonne santé, et que pour notre bonne santé, il ne faut pas manger trop gras, il ne faut pas manger trop sucré, il ne faut pas manger trop salé, et qu'il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. C'est vrai, c'est utile. Mais c'est utile à peu de choses. Parce que nous aurons beau essayer de retarder l'échéance, tant que Jésus-Christ ne sera pas revenu inéluctablement, que nous soyons jeunes, adultes, seniors, nous serons amenés à disparaître et à expirer. Et cela, c'est dans cela qu'il est utile à peu de choses. Il est également utile à peu de choses parce que, pourquoi dis-je cela? Parce que, en l'occurrence, l'apôtre Paul nous donne un bon exemple en 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. C'est-à-dire que, frère Wesley, c'est une compétition. Tous courent dans un stade pour gagner le prix, mais un seul l'emporte. Et
toute espèce, toute sorte d'abstinence pour une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Je vais vous donner un exemple. Regardez nous actuellement à l'Euro 2016. C'est vrai, Michel Platini avait remporté l'Euro 1984 pour l'équipe de France. C'est vrai, Zidane a remporté l'Euro 2016, 2000, la révélateur, a remporté l'Euro 2000. Mais tout ça, frère Wesmi, nous n'appartenons que ce n'est que pour un temps. Parce qu'après, ça rentre dans les poussières de l'histoire. Mais la couronne incorruptible que nous voulons revêtir, la couronne de gloire, elle représente une espérance vivante. Elle représente un héritage qui ne saurait ni se souiller, ni se flétrir, ni se corrompre. Car la gloire qui nous est donnée n'est pas une gloire pour un temps, n'est pas une gloire pour 4 ans. Par exemple, l'Espagne a gagné l'Euro 2008, elle a gagné l'Euro 2012, mais est-ce qu'elle pourra gagner l'Euro 2016? Et même si elle pourrait faire le triplé ou le grand chelem, ce que vous voulez, à un moment donné, son règne sur le football mondial, on l'a bien vu avec la Coupe du Monde 2014, arrive à un terme. Et donc nous devons nous consacrer à cette couronne incorruptible. Et c'est dans cela que, s'il est vrai que l'exercice corporel est effectivement utile, mais il est utile à peu de choses. Entre guillemets, l'apôtre Paul nous dit ce qu'il avait dit, ce qu'avait dit le concessionnaire Peugeot dans les années 1995-1996. C'est une publicité que j'adore citer. Mais on a gardé l'essentiel. Alors, nous, il nous faut enlever l'essentiel. Enlever l'essentiel, c'est qu'effectivement, il faut faire un peu d'exercice physique pour nous conserver en bonne santé. Mais garder l'essentiel, en ce sens que nous devons avant tout nous exercer à la piété. Et qu'est-ce que la piété ? La piété, tout d'abord, 1 Timothée 3, verset 16, nous dit que la piété, c'est un mystère. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Comme le mystère de l'union, je parlais tout à l'heure du mariage entre l'homme et la femme, Éphésiens 5, verset 32, comme le mystère qui avait été caché pendant des siècles, Christ en nous, Colossiens 1, verset 27, l'espérance de la gloire. Le mystère de l'antéchrist, en 2 Thessaloniciens chapitre 2, cela veut dire que c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Et que pour pouvoir connaître ces choses, sachant que les choses cachées sont à l'Éternel et qu'il les a révélées aux saints, Deutéronome 29, verset 29, de la même manière, dans le même ordre de grandeur, dans le même ordre d'idées, c'est lorsque nous avons fait une rencontre personnelle, individuelle, intime, exclusive avec Jésus-Christ notre Seigneur, amen, que nous avons cette révélation. Amen. Amen. Et que Paul lui-même, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, a été aveuglé et a dit « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Et après avoir été pendant 3 jours, sans boire, sans manger, sans boire, être vraiment en déconnexion avec le monde, en déconnexion avec le corporel, pour s'attacher au spirituel, parce qu'il a compris que notre être extérieur se détériore de jour en jour, de Corinthiens 4, verset 16, mais que notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Justement parce que l'être intérieur se renouvelle, notre Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Il nous permet de voir la richesse de son héritage, l'espérance qui s'attache à son appel. Il nous donne le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et dans toute la vérité, ça veut dire que toutes les zones d'ombre, tout ce qui était caché, y compris les mystères, deviennent réels, deviennent palpables. Et donc le mystère de la piété, du fait que Dieu s'est manifesté auprès de nous en chair, qu'il a été justifié par l'Esprit, qu'il a été vu des anges et glorifié par nous, ce mystère aujourd'hui devient une réalité. Et ce mystère, c'est le mystère de la piété. La piété, en fin de compte, c'est quoi? C'est le fait que nous devons nous attacher à Jésus-Christ et nous attacher à lui par la foi, de croire à la justice qu'il nous donne. Psaume 32, verset 1er, « Heureux l'homme dont les transgressions sont effacées. » Et nous attacher à lui par la justice, par la foi également. Et nous attacher fermement à la piété. Sachant que Jésus-Christ nous a donné, et c'est ce que nous dit l'apôtre Pierre, en 2 Pierre 1, verset 3 et suivant, tout ce qui contribue, sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la piété.
par sa gloire et par sa vertu, nous avons accès aux promesses divines qui nous permettent d'échapper à la corruption à venir, à la corruption actuelle. Et la piété, en l'occurrence, en ayant ce mystère de la piété, pourquoi nous échappons? Nous avons vu ça, frère Wissing, il y a de cela presque 2 mois à l'Assemblée évangélique des frères. La piété, en quelque sorte, nous donne les moyens de comprendre qu'il n'y a plus rien dans ce monde, parce qu'on ne désire que ce que l'on n'a pas. Et cette piété, déjà, nous permet de ne pas manger au mets des Chaldéens, nous permet de nous abstenir des convoitises qui font la guerre à l'âme, et d'être attaché à notre Dieu, de voir les choses comme lui, il les voit. La piété aussi exige un entretien, parce que je parlais du fait que notre vie physique a des cycles, elle a des hauts et elle a des bas, avec le fait qu'à un moment nous sommes en bonne santé, à un autre moment nous nous portons moins bien. Et bien, il en est de même de notre vie spirituelle. Si nous ne prenons pas le temps de nous exercer à la piété, si nous ne prenons pas le temps de nous conserver bien au frais spirituellement, si nous ne prenons pas le temps de rester sel et lumière pour que par nos œuvres, les hommes glorifient notre Père qui est aux cieux, eh bien, nous allons perdre notre saveur spirituelle. Eh bien, nous devons nous conserver purs, nous devons nous conserver irrépréhensibles. Et l'apôtre Paul ne dit pas autre chose, il nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. » Mais au contraire, comme pour la piété, tandis que la piété nous dit le verset du jour, « Soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant la gloire de Dieu de tout votre cœur. » Eh bien, il faut nous faire un entretien spirituel. Il nous faut nous examiner nous-mêmes. 2 Corinthiens 13, verset 5, pour voir si nous sommes dans la foi, pour voir si nous sommes approuvés ou si au contraire nous sommes réprouvés. C'est l'exercice de la piété. La piété, ce mystère qui nous enseigne aussi. Je parlais tout à l'heure de Moïse qui nous disait que nous arrivons jusqu'à 70 ans et pour les plus robustes d'entre nous, jusqu'à 80 ans. Eh bien, la piété nous enseigne à bien compter nos jours et à appliquer nos cœurs à la sagesse. La piété nous enseigne à comprendre que nous ne sommes qu'un souffle, nous ne sommes qu'une vapeur qui apparaît que pour un peu de temps, mais qui ensuite n'est plus. La piété nous montre en réalité que nous devons en quelque sorte nous mettre à part, que nous devons non seulement, nous devons, bien sûr notre corps de chair fait que nous sommes dans ce siècle présent, mais la piété nous enseigne à vivre comme des citoyens des cieux, à vivre pour le siècle à venir, à vivre en étant transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que l'homme pieux, à la différence de l'homme naturel, à la différence de l'homme charnel, à la différence de l'homme animal, eh bien l'homme pieux en l'occurrence comprend les choses de Dieu. Il comprend le mystère des choses de Dieu. Il marche comme Christ avait marché. Et parce qu'il comprend le mystère des choses de Dieu, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, c'est ce qui lui est réservé. Et c'est ce que déjà il comprend. Le langage spirituel qui peut paraître une folie, qui peut paraître crypté pour le païen, pour l'homme lambda, pour l'homme qui s'exerce à la piété. Le mystère de Dieu devient dévoilé parce que le voile est déchiré et qui n'est point aveuglé par les choses de ce siècle. L'homme qui vit selon la piété, il revêt la puissance divine. Il devient participant de la nature divine. Et que de surcroît, il est en mesure de prendre possession. Parce qu'il y a des bénédictions que nous ne pouvons pas hériter. Parce que nous ne sommes pas à même de les gérer. Mais l'homme qui est pieux est en mesure de s'approprier par la foi les promesses divines. Parce que de par la naissance d'Isaac, né de manière surnaturelle d'une femme avancée, l'enfant de la foi, nous sommes aussi des descendants de la foi, des descendants de la promesse. Non seulement nous avons l'assurance selon Galates 4 de rester pour toujours dans la maison de Dieu, mais que de surcroît, les promesses sont pour nous. Parce que vous remarquerez que l'enfant qui a été fait dans le péché, en l'occurrence avec Agar, eh bien, il reste pour un temps dans la maison. Et que l'enfant qui est fait de manière surnaturelle, par la foi, par la piété, reste éternellement dans la maison. Et il devient héritier des choses. Comme nous-mêmes, nous sommes co-héritiers de Christ. Et il reçoit toutes les bénédictions
spirituelle et matérielle. Parce que Genèse 22, verset 18 nous dit que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et ces bénédictions matérielles, ces bénédictions spirituelles nous permettent de comprendre que la piété est utile non seulement pour le siècle présent, mais également pour le siècle à venir. En quoi la piété est-elle utile pour la vie présente et pour la vie à venir? Pour une raison toute simple. C'est que l'homme qui est pieux, qui est séparé du péché, comme l'était Job, tel que décrit comme étant un homme intègre sur lequel Dieu pouvait miser, comme on peut miser sur un cheval dans des courses de chevaux. En Job 1, verset 10, verset 8, Job n'avait pas de corruption, il vivait dans la piété. Et il disait lui-même en Job 22, verset 21, « Attache-toi à ton Dieu, attache-toi à ton Dieu, et tu connaîtras le bonheur, tu jouiras de la paix. » Parce que Job était attaché à son Dieu, à la justice de son Dieu, aux bénédictions de son Dieu, à la foi de son Dieu, parce qu'il a démontré que, bien qu'étant dépourvu de tout, rien ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il n'a pas vu Jésus-Christ, mais il savait que son Rédempteur était vivant et qu'au dernier jour, il se lèverait sur la terre. Eh bien, Job a manifesté sa piété. Eh bien, en Job 42, non seulement il a récupéré ses biens, mais il a récupéré même au-delà. Et il a dit à son Dieu, après avoir autant douté, que rien ne peut s'opposer à ses desseins. Salomon aussi, bien que par la fin il est décliné, était un homme pieux. Parce que lorsque il est arrivé et que Dieu lui a dit en 1 Roi chapitre 3, « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Salomon lui a dit, « Seigneur Père, donne-moi la sagesse pour diriger ce peuple. » Il a dit que puisque tu ne m'as pas demandé l'or, l'argent, mais que tu m'as demandé la sagesse, je vais te couvrir de toutes les richesses. Et c'est cela la piété. Et l'apôtre Paul lui-même parle de la piété comme étant un grand mystère. Il nous dit très clairement en 1 Timothée verset 6 et 5 que la piété en elle-même est une source de grand contentement. Parce que lorsqu'on a la piété, elle nous permet d'être... Parce que nous sommes déjà... En fait, comment puis-je vous l'expliquer? La piété fait que nous avons Jésus-Christ. Nous avons ses promesses, nous avons la justice, nous avons la foi, nous avons le salut, nous avons toutes les bénédictions spirituelles. Eh bien, lorsque nous faisons face à l'adversité, la piété nous permet d'être une source de grand contentement. Si nous pouvons vivre avec ce que nous avons, il nous dit en 1 Timothée 6, versets 5 et 6, alors elle est une source de grand contentement. Parce que nous n'avons rien à mener dans ce monde et nous ne pouvons rien ni emporter. Ce n'est pas de dire que nous n'avons pas besoin du bien, parce que notre Dieu sait que nous en avons besoin. Matthieu 6, verset 32. Mais que étant transformé par le renouvellement de l'intelligence, étant devenu de nouvelles créatures, ayant maintenant la piété revêtue de la puissance divine, nous considérons que ces choses ne sont pas une fin en soi, mais que au contraire, ces choses-là ne sont qu'un accessoire. Mais que le principal, c'est d'avoir Dieu dans notre vie. Et dès lors, nous n'avons pas à nous inquiéter, parce que nous savons que, quelle que soit notre situation, nous avons appris à être contents. Peu importe, nous n'avons rien à manger, eh bien, gloire à Dieu. Nos frigos sont remplis, gloire à Dieu. Notre compte en banque est vide, gloire à Dieu. Notre compte en banque est rempli, gloire à Dieu. Parce qu'avec la foi, nous avons la rémunération, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ceux qui vivent dans la piété savent justement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et encore une fois, pourquoi cela est utile à la vie présente? Parce que il nous est dit, ceux qui sont pieux, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais plus fort est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Et de surcroît, celui qui est pieux a d'autres priorités. Parce qu'il recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et les autres choses lui seront données par-dessus tout. Et Jésus en donne une belle illustration, frère chéri, en Matthieu chapitre 19, où il y avait l'homme riche, où Jésus lui a dit, voilà maître, j'ai fait telle œuvre. Mais Jésus lui dit, écoute, si tu veux me suivre, renonce à tous tes biens et suis-moi. Et cet homme a été triste parce qu'il avait de grands biens et que
pour lui c'est bien, il t'en récolte sa bénédiction. Et là Jésus dira qu'il est difficile aux riches de rentrer au royaume des cieux. Et puis il dira que aucun homme, et là encore on a la caractéristique de l'homme pieux, il n'est aucun homme ayant abandonné père, mère, frère, sœur, qui ne récupère des frères, des pères, mères, frères, sœurs et des biens au centuple, non seulement au siècle présent, mais également au siècle à venir, parce que il aura fait de Dieu sa justice. Et je pourrais multiplier les exemples à l'infini, mais le temps me manquerait, comme dirait l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Reprenez deux exemples. L'exemple du psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui se trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et cet homme-là, comment vit-il ? Il vit dans la piété, dans l'innocence, dans la consécration, dans le dévouement à son Dieu. Tandis qu'au contraire, le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Et c'est ce que Dieu dira à Josué. Josué était intimidé comme Timothée l'était, après qu'il ait succédé à Moïse, comme Timothée est appelé à succéder à Paul. Eh bien, en l'occurrence, il se trouvait dans une situation qui était fortement intimidée. Mais Dieu lui dit, mais ne t'ai-je pas dit, quand Dieu te dit, c'est toi qui te l'as déjà dit, mais que dans ta fierté, il faut que tu t'attaches aux paroles qu'il t'a déjà dit. Amen, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et aie bon courage. Médite ce livre de la loi, Josué 1er verset 8, et qu'il le jour et nuit, qu'il ne s'éloigne point de ta bouche, et que c'est alors que tu connaîtras du succès dans toutes tes entreprises. Ce n'est pas dans une entreprise. Ce n'est pas dans deux entreprises, mais dans toutes entreprises. Parce que notre Dieu est un Dieu de toute grâce. Notre Dieu est un Dieu de toute bonté. Notre Dieu est un Dieu de toute miséricorde. Notre Dieu est un Dieu de toute suffisance. Notre Dieu est tout simplement le Dieu de la plénitude. Et que dès lors que nous montrons notre attachement à lui, eh bien, il ne nous abandonnera point, il aura tout ce qu'il faut. J'ai cet exemple qui me vient à l'esprit à l'instant. Regardez le Royaume-Uni. Ils viennent de quitter l'Europe, ils viennent de se détacher de l'Europe. Et bien maintenant, c'est une période de grand flou, de grande incertitude. Ils sont en train de tout perdre. Parce que même le Royaume-Uni risque de se disloquer entre les deux Irlandes qui risquent de s'unir pour ne faire qu'une, entre l'Écosse qui va partir, entre le fait que le Premier ministre va en quelque sorte démissionner, va être remplacé par un autre qui risque de mener une politique incertaine. Même les marchés boursiers se sont lourdement effondrés. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont détachés de l'Europe. De la même manière que si nous nous détachons de notre Dieu, et bien nous courons un grand risque, et que dans les versets qui suivent ceux que nous venons de lire, en 1 Timothée 6, versets 9 à 11, voyons que des hommes, au lieu de s'exercer à la piété, ont eu l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Et que s'est-il passé? Et bien ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Veillons à rester et à demeurer dans la piété pour ne pas faire naufrage quant à la foi et pour ne pas exploser, nous effondrer. Parce que cette piété, elle est utile pour la vie présente, mais elle est également utile pour la vie à venir. Pourquoi ? Parce que, avec la piété, qui appartient à tout un ensemble de bénédictions spirituelles que nous devons cultiver, elle nous assure les plus grandes promesses. Et nous savons que notre Dieu, pour nous montrer qu'il ne ment pas, jure, ne peut pas jurer par autre chose de plus grand que son nom, et qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et ses promesses sont précieuses. Et notamment la promesse de la vie éternelle, la promesse que nous ne manquerons de rien, la promesse que nous sommes des citoyens des cieux. Et bien, en conséquence de cette promesse, la piété appartient à tout un ensemble de bénédictions. La maîtrise de soi, que nous voyons listée en 2 Pierre 1, verset 4 jusqu'à 10. Il dit que si vous assurez ces choses, vous ne pourrez point pencher, ainsi vous pourrez affermir votre élection. Et nous savons qu'avec cette élection, qui pourra accuser les élus de Dieu ? Aucun. Et cette piété que nous avons, elle nous est utile pour le siècle à venir, parce que pour hériter du royaume des cieux, notre corps, l'exercice corporel, encore une fois, étudier un peu de choses, il ne peut pas hériter du royaume des cieux, parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Mais il faut que le corruptible, la corruptibilité, ait revêtu l'incorruptibilité. Et ce n'est pas la piété que nous pouvons avoir, cette incorruptibilité. Et cette incorruptibilité
fait que nous pouvons hériter de l'incorruptibilité. Parce que l'immoralité que nous avons dans ce corps de chair, donc le contraire de la piété, fait que nous ne pouvons pas hériter l'immortalité. C'est-à-dire qu'au contraire, avec la piété vivant en toute sagesse, en toute piété, nous disait l'apôtre Paul à Tite, en deux titres, en Tite chapitre 2, versets 11 à 14, eh bien cette piété-là, elle nous permet de vivre dans la bienheureuse et glorieuse espérance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle nous permet d'attendre Jésus-Christ comme un Seigneur. Et c'est la question que nous devons nous poser, frère Wesley, pendant que nous nous débattons dans ce corps de mort, dans ce corps mortel. Attendons-nous Jésus-Christ comme Seigneur pour venir nous enlever en étant pieux, comme l'étaient les saintes vierges sages, ou au contraire, devons-nous nous préparer comme le prophète Amos nous avait dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, avoir Jésus-Christ revenir pour juger le monde, comme nous étions en Actes chapitre 17, verset 28, sachant que le Père lui a transmis les clés du royaume, et qu'une fois qu'il aura jugé le monde, il remettra le royaume au Père. C'est la question que nous devons nous poser. Sommes-nous dans la piété, nous efforçons-nous suffisamment dans la piété pour revêtir cette couronne incorruptible, cette couronne de gloire qui ne saurait ni se flétrir, ni se souiller, ni se corrompre, ou bien au contraire, sommes-nous dans l'impiété, sachant que l'impiété attire sur nous la colère de Dieu parce que nous aurions retenu captif injustement la vérité et que nous amassons contre nous un trésor de colère. Donc c'est la question qu'il nous demande. Et nous savons que, je le disais tout à l'heure par rapport à l'exercice corporel, l'exercice corporel est utile à peu de choses. De Corinthiens 4, versets 16 et 17 nous dit, parce que notre être extérieur se détériore de jour en jour. Notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et nous savons que les choses visibles apparaissent pour peu de temps, mais que les choses invisibles vers lesquelles nous conduisent la piété à laquelle nous devons nous exercer, à laquelle nous devons nous efforcer, eh bien, ces choses invisibles sont un poids éternel de gloire. Et j'attire votre attention sur le fait que cet exercice est un exercice obligatoire. Parce que parfois, on a des élèves, notamment ceux qui passent le baccalauréat, passent des épreuves, et parfois, bon, il y a certaines matières ou il y a certaines questions qui leur sont posées au travers de certaines épreuves, de certains interrogatoires, sur lesquels ils sèchent, en se disant, moi-même, je l'ai fait, je ne vais pas répondre à cette question parce que j'ai pas la possibilité de résoudre cet exercice, mais je réponds à d'autres tant que j'arrive à avoir la moyenne et le bac, c'est essentiel. Mais ça, cet exercice, je vous conseille de ne pas le sécher parce que c'est un exercice qui est extrêmement difficile et que le sécher reviendrait à ne pas pouvoir entrer dans le royaume des cieux parce que Isaïe 35, verset 8 nous dit qu'il y a une voie sainte et nul impur ne pourra y passer. Et si nous n'exerçons pas la piété, forcément, nous sommes dans la piété. Et sachant que autre conséquence regrettable, c'est un exercice que nous devons faire avec le maximum de diligence, avec le maximum de soin. Pourquoi dis-je cela? Parce que nous l'avons vu du temps de Noé. Il n'était que 8 à être sauvé. Nous avons vu que Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Et nous avons pu également voir aussi que Jésus nous dit qu'il y a peu d'appelés, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est dire combien cet exercice est ô combien difficile et que lui-même nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite !» En Luc chapitre 13, verset 24 et suivant, c'est dire la difficulté de cet exercice et qu'il réclame de notre part un maximum d'appréhension, un maximum de soins, un maximum de détermination, un maximum de régularité parce que toute absence de notre part nous coûtera cher afin que lorsque nous rendrons notre copie, eh bien, nous puissions être ceux auxquels Jésus pourra dire « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et que nous puissions revendiquer, après avoir accompli fidèlement cet exercice à la piété, que nous puissions dire « nous sommes citoyens des cieux, nous attendons notre Sauveur Jésus-Christ, qui changera notre corps d'humiliation en un corps glorieux, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Ainsi donc, pour terminer, mes frères et sœurs, le Christ de Jésus. Alors oui, l'été est chaud. Oui, il y a beaucoup de compétitions. Mais nous, bien que nous soyons des passionnés de sport, des passionnés de foot, des passionnés de tennis ou de tout autre sport, bien que nous nous exerçons nous-mêmes au fitness pour garder la ligne, efforçons-nous de nous conserver purs et de participer à l'exercice le plus important, qui est l'exercice de la piété. Que nous puissions
armer nos bras, armer nos cœurs, nous revêtir des armes spirituelles pour combattre le bon combat de la foi. Et que nous puissions saisir le précieux trophée de la vie éternelle. Que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, en 2 Timothée 4, verset 8, 7 et 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée à moi. Pas seulement le juste juge me l'a donné. Et il la réserve non seulement pas à moi, mais également à tous ceux qui auront aimé cet avènement. Soyez tous bénis et soyez en Jésus-Christ plus que des vainqueurs. Amen. Toute cette parole que vous avez, cette prédication sainte, toute cette prédication bénie de l'exercice à la piété, conservez-nous, Seigneur, votre maman, conservez-nous, Dieu, ta gloire, soit glorifiée, je ne sais rien.